Bienvenue à tous dans cette quatrième séance de Taïso du Judo Club Villeneuvois. Cette séance s'effectuera en Tabata 30-10. Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis de gym, vous aurez également besoin de deux haltères, si vous n'en possédez pas, pas d'inquiétude, on prend deux bouteilles pleines. Vous aurez également besoin d'un ballon peu gonflé et d'un gros ballon de gym, si vous n'en avez pas, toujours pas d'inquiétude, on prend une chaise. Allez, on débute tout de suite avec l'exercice des crunchs obliques, donc on se positionne sur le dos, jambes relevées et pieds croisés, et on va essayer d'aller faire toucher notre coude au genou opposé. Seconde de pause, on souffle bien et on prend nos poids, haltères ou bouteilles, parce qu'on va en avoir besoin pour l'exercice suivant, les élévations frontales. On se positionne debout, bras le long du corps avec les poids dans les mains, on va les lever devant nous, les faire osciller, puis relâcher le long du corps. Seconde de pause, on passe au troisième exercice, les pompes. Donc là, on va se positionner à plat ventre, en appui sur les mains et les genoux, pieds croisés, et on va descendre la poitrine vers le sol, puis la remonter à la seule force des bras, tout en restant bien gainé. Pour les plus hardis d'entre vous, vous pouvez effectuer ces pompes sur les pieds au lieu des genoux. Allez, 10 secondes de pause, on va passer au quatrième exercice, les levées de genoux. Pour ça, on va avoir besoin du petit ballon peu gonflé qu'on avait évoqué tout à l'heure. On le prend et on va le tenir dans une main, lever la jambe opposée à la main où on tient le ballon, faire passer le ballon sous la jambe, le récupérer avec l'autre main, et ainsi de suite. C'est la pause, on va passer au cinquième exercice, la planche touche épaule. Donc pour cet exercice, on va se positionner en planche en appui sur les mains et les pieds, bien gainés. Et on va aller toucher notre épaule avec la main, évidemment l'épaule opposée, avant de reposer la main, et ainsi de suite. La pause, on va passer au sixième exercice, le lever de jambe. On va commencer par le lever de jambe gauche, donc on va se positionner à quatre pattes en appui sur les mains et les genoux, et on va lever la jambe gauche sur le côté tout en gardant le reste du corps fixe. De nouveau la pause, on reprend la même position que celle de l'exercice précédent pour ce septième exercice, sauf que là, au lieu de lever la jambe gauche, on va lever la jambe droite afin d'équilibrer le corps.
Allez, 10 secondes de pause, on va passer au 8ème exercice, la planche en T. Donc on va se positionner en planche, sur les mains et les pieds, bien guidés. Et on va lever le bras droit vers le haut, afin de former un T. Puis on va le reposer et lever le bras gauche, ainsi de suite. Allez, nouvelle pause. Cette fois-ci, on va passer au 9ème exercice, le relevé de bassin. Donc pour ça, on va avoir besoin de notre ballon de gym ou de notre chaise, tout dépend ce qu'on a à la maison. On va donc se positionner sur le dos, poser les pieds sur l'outil qu'on a pris, lever le bassin vers le haut, le redescendre sans le reposer au sol, puis le remonter. De nouveau 10 secondes de pause, on va passer au 10ème exercice, le pullover avec halter. Donc on reprend les poids qu'on avait précédemment, on les prend dans les mains, on se met sur le dos, jambes en pont, on va mettre les bras perpendiculaires au sol et on va les faire descendre derrière la tête sans pour autant qu'ils ne touchent le sol avant de les faire remonter. Allez, 10 secondes de pause, on passe au 11ème exercice, les squats sumo. Donc pour ça, on lâche nos haltères, on se positionne debout, jambes écartées un peu plus que les épaules, pieds vers l'extérieur, et on va tout simplement descendre sur nos jambes. Allez, dernière pause, cette fois-ci on va s'attaquer au 12ème exercice, donc le dernier, l'exercice du rameur. On va se positionner en équilibre sur les fesses et lorsque on va tendre les jambes, nos bras vont être ramenés contre nos côtes. Quand on replie les jambes, on pousse les bras vers devant, comme quand on rame. Voilà, c'est la fin de cette 4ème séance de Taïso, j'espère que vous avez tous bien apprécié, à bientôt! N'oubliez pas de vous abonner pour profiter de toutes les vidéos du Judo Club Villeneuvois.